Bon dimanche, hein. Bon dimanche à vous tous, qui certainement allez avoir l'occasion de me suivre à travers cette vidéo. Je viens vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 jours. Déjà, je vous demande de pouvoir vous abonner parce que apparemment ça commence à devenir sérieux. Nous aurons des choses à se parler, nous aurons des choses à se dire parce que ça vaut la peine. Abonnez-vous massivement sur Cactus. Cactus, c'est votre télé. On l'appelle la télé de l'excellence. Merci beaucoup à vous tous. C'est toujours le vôtre, Charlie Prince. L'excellence compte. Voilà. Donc, ce que je vous dis est sérieux. Et si ça pouvait être peut-être ma dernière apparition médiatique ou encore devant vous, je ne sais pas. Ça peut être. Ça peut arriver. Ça pouvait aussi être ma dernière apparition. Après, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais après, nous allons encore dire que nous avons confiance en Dieu, Allah, le Dieu Tout-Puissant, Inch'Allah. Voilà, donc le vendredi, j'étais sorti, j'avais une émission à réaliser, je suis parti. Lorsque je suis rentré, aussitôt Naokota, le gardien me dit, papa, voiture, mon gars, que Luka, yona batumona na kati, batuni kara soki yo vandara awa, soki Charlie Prince a vandara awa. Je les ai quand même dit que vandara awa. Après, ils ont tourné leur voiture, ils sont partis. Natuni bango a. Bozo Luka yepona, baboui koloba. Naebisa nini, ils ont dit, non, c'est pas grave, to le kabiso mongo. Après, ils sont partis. Alors, quand le gardien m'a dit comme ça, Nabi, bon, peut-être que le cabisso, ils en ont normal. Ça peut être membre de la famille Nanga. Ou encore, ça pouvait être mes amis, je ne sais pas. Quelqu'un qui a besoin de moi, c'est normal. Mais j'étais quand même étonné, les gens qui viennent me chercher chez moi, bah, ils n'ont pas le numéro de téléphone Nanga, je ne sais pas. Et comme c'est un membre qui est bon, il y en a un qui a au moins gravité. Excusez-moi. Après. C'est passé. Hier, c'était samedi. Je n'ai pas bougé de chez moi. N'avais nandako toute la journée. Arrivé à. C'était vers 18h. Je vois un appel anonyme. Je n'ai pas l'habitude de prendre les appels anonymes, mais cette fois-là, on a compris. Et puis, na yambi quand même. Na yambi téléphone. Na lobi allô. Après, nous t'envoyons le bélo au thé. J'ai insisté, j'ai dit allô. M'entends le bélo ôté. Après, Ekati. Bon, comme c'était un appel anonyme, moi je ne pouvais pas rappeler. Navan Nanga, Navi, bon, c'est normal. Comme Bakbobing en a appelé Mikolo trop par rapport à ma émission, tout ça, ça, qui Mikolo, tous les cas. Namona, on dirait encore, bah, tout le temps, bah, Libanda, ni Babing, bah, numéro fixe et tout. Bon, Namona, qui ont fait peut-être naissance, voilà. Après, appel à moi côté sous numéro anonyme. Nayambi, après, Batuninga, même pas dire bonjour, hein, Batuninga, on a Charlie Prince. J'ai dit oui. Natuni, à qui ai-je l'honneur? À Lobinanga, oh non, c'est pas important. Nabi, ok. Et c'est quoi le problème? Oh non, Nalina Ipsayo, que. Oh tiens, Moussapinamoto. Mais Ozika Kalamingite. Ah bon? Je dis, ah bon? Absina, oui, Ozika Kalamingite. On connaît déjà chez toi. On sait là où tu habites. Apesina, vraiment adresse Nanga complète. Apesina, ma adresse Nanga. Abi, au vend dans quartier tel, voilà tel, numéro Boye. Absina, bien, d'accord. Effectivement, ils ont un. Oh bon, voilà. Et on a gagné Ozika. Moussapinamoto, mais aussi Kakalamingite. Depuis toujours, tu fais des déclarations, tu fais des émissions
comme quoi que tu étais contre Kabila. Yoyebi batu combien oyo bazolia na sima ya Kabila même biso ba oyo ceux qui toza boza pour na Kabila yo koloba na Kabila bongo qu'est-ce que toi tu peux nous donner nous autres qu'est-ce que toi tu peux nous donner biso lia ka pour na Kabila et on ne peut jamais accepter que mutu mwanza la contre Kabila. Je dis un bon monsieur asinga oui na zoloba na yo et puis tu dois retenir que partout où tu passes tu en as contrôle na yo. Déjà, tu as la place au Vandaka. Donc, c'est facile pour Ozikamoto, la Moussapi, Ozotiawana. Fais attention, Kalamingte, Ozikamoto. Topé suyo, avertissement. Malasi, mais avertissement, t'es. Et ça a peut-être le pire. Akati. Navandi. Bon, ça m'avait quand même effrayé. Déjà, Moutazo, le Bano Bongo, Asolo, la menace. Na adresse, na yo, aye bien, on a Moutou. Et ben, c'est quand même. Après, Navandi, je me suis ressaisi. Naobi, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien à faire. Mais les places Navandaka, si vous avez besoin de salamabé, à tout moment, ils peuvent le faire. Après moi, je fais comment? Je fais rien. Déjà, avant ma Makambo Ekoma, je vais vous rappeler une petite histoire. Navandaka, en décembre, dans mon appel, mon numéro, orange, hein? Bah, numéro orange, ah. Bah, numéro orange. Numéro orange, orange. Cette fois-là, c'est un numéro normal que je pouvais identifier. Bonjour Monsieur Charlie, j'ai dit bonjour. Il a papa Danny. Je dis papa Danny, oui papa Danny. Bon, moi je connaissais papa Danny, n'a papa Danny au WAPI. A bien en fondation, Olive Lembe. Ah bien, ok papa, bonjour. Oh, restez à l'écoute hein, de ton téléphone, on pourra t'appeler d'un matin à l'autre pour que tu puisses aller aux invitations. Il fallait t'occuper na maman et tout, Alinga Yambabino. Mais tu repères ça adresse place ni pour qu'il ne reçoive bus parce qu'il fallait prendre le bus place pour qu'il ne reçoive bus et tout on va te donner les détails. Je dis ok mais de moi-même je m'étais dit et ça là un peu moi banga je me disais Nabi non mais attends non mon athée pourquoi moi parce que tu es bien surtout dans le Congo ils allaient ceux qui osent le baka osent le babola ya mututé ceux qui osent peut-être osent les mutuba reproche tout critique. Aux autres qui n'ont des avantages naïfs, généralement tout l'ingénieur a été, tout l'ingénieur a zaté, tout est bien au pays sous la nôtre vie que ça l'anime. Après, n'a mon abangaï quand même. J'ai appelé ma mère. J'ai dit maman regarde, t'as la boue boue boue. Ma mère m'a dit non 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 faut pas aller. Ma mère m'a interdit. Ma mère m'a dit faut pas aller. Après c'est passé. Le jour d'après, le numéro là m'appelle. Le numéro là m'appelle. Et puis, non, c'est bon, t'en fais pas, c'est reporté. Peut-être que vous avez l'appel Nabisso, le tout lobby, tout ça, Nabisakio, c'est Nicolas Oka, mais en tout cas, c'est reporté. Ne vous en faites pas, on va vous appeler. Je dis, ah, ok. Bon, comme Nabisso n'a peut-être qu'il n'a aucun été, les syndicats a bien le coup les a reportés. Moi, pour moi, j'étais quitte. On était quitte. Et les qui? Pour nous, loyer au Koufa. Non, non, tant que vous voyez que ça, ma bongo, batbake, kingakati, na fête. Après, j'ai réalisé qu'effectivement, ils allaient qui pour Nayango. Pour la Koufi, après, quelques jours avant l'éveil à corps, je crois, batbake, kingakati, c'est quoi, je crois. Ouais, avant l'éveil à corps, je ne sais pas si jamais ils allaient kingakati. J'ai compris qu'ils allaient qui appellent Yango, mais après, peut-être s'est passé quelque chose, Yango, ils allaient qui que c'était plus intéressant que moi, na kende. Dans cette analyse, dans le cas Bongo, je me suis dit peut-être Zaki Bongo, tout comme Pekosan Bongo. Après, j'avais vérifié, papa Dani Wana Aza, la personne qui est chargée, c'est pas ceux qui a communication, ceux qui a stratégie, ceux qui a ligne, maman, Olive Lembe. Nakenda était, il était Nangopé. Bon, moi, j'avais trouvé ça normal. Ma mère déjà m'avait interdit, même s'il fallait que Nakenda était, parce que je devais écouter ma mère. Et les qui? Moi, c'est Apouloulou, Ayo Koufa. Au fait, Poulou Akoufi. Sa femme a commencé à faire des déclarations, des apparitions médiatiques. Entre autres, bah, tu as Cactus, bah, Yamba qui épée, à lobby, à lobby, à lobby, à lobby, avec tous ces accusations avec qui n'a charge na yeni, bah, Koloba. Après, maman, je vais te dire, on n'a pas pour nous, bah, c'est pas des ordres. On a essayé d'analyser par rapport à cela. Moi, je m'étais demandé, je m'étais posé la question. Est-ce que, bureau et à Madame Olive, et puis ça, cahier information, car à ceux qui m'ont appuyé, ceux qui m'ont appuyé malade, Azoka information t'es? Bon, je crois que Azoka. Parce que, une fois,
Il a fait quelque chose avec Videloin, Tindaki Afrique du Sud. Ça, on salue quand même cette initiative. Mais la plupart, souvent, il vient apparaître dans l'influence Maka. Elle vient apparaître dans l'influence Maka sur Mutasia Koufi. Au moins, on a somme pour appeler ça. Il y a pas somme pour appeler ça. Tant que Mutasia qui est malade. On appelle ça qui 30 000 dollars, ça qui 20 000 dollars, ça qui 15 000 dollars. Mais pendant que Mutasia est malade, tout le monde a somme, on a appelé ça Mati. Ça, c'est ma réflexion à moi. Après, vous pouvez aussi me dire ce qui n'a y a bien été. Généralement, ils abondent. Ce Mouta Koufi, Mbongo et Bimébélé, par rapport à ce Mouta Obéla. Alors que moi, je sais. Lorsqu'on avait les problèmes, il y a des Yandéwanabissou à Koufaki, et notre concert, que son âme repose en paix. On était allé voir un pasteur pour nous enseigner soutien s'il pouvait nous aider enfin tout organiser parce qu'il y a Yandéwanabissou bien. Le pasteur était clair pour nous dire que généralement, ils ont important thé bakambo. J'aime bien lorsque quelqu'un est malade, vous venez me voir comme ça, je peux vous prêter mes forces pour nous sauver une déco. Mais ceux qui m'ont assis à couffer, ils ont rencontré un mot, 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 après, ils ont rencontré cet argent, mieux vaut servir dans le bateau en vie. Moi, je crois qu'il était dans sa bonne logique, dans cette logique qui déjà, pour moi, j'ai dit que c'était une logique normale. Ils ont vraiment logique. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on voit avec notre maman Olive Lembe? Elle apparaît souvent. N'a pas moyen ma casse et mouta sa profit. Moutou a tout n'a besoin de questions. Mais vous comprenez un monde de nini. Moi je peux pas comprendre ça. Moi j'analyse seulement. Alobi, est-ce qu'ils ont la kate sa manière de fêter le roi qui n'a pas besoin? Après, je sais qu'elle n'est pas sorcière. Après, c'est pas non plus elle qui tue, surtout les artistes et comédiens. Mais qu'est-ce qui fait que casse et mouta koufi, elle apparaît avec force? J'avais analysé ça, après j'avais reçu des messages. Ça arrive souvent. Lorsque tu fais une émission dont peut-être que c'est la vérité, parce que moi je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais incité les gens à la haine, je n'ai jamais incité les gens à la violence, je n'ai jamais établi les responsabilités. Il y a Namutu. Non, moi, je donne les faits. J'analyse que de faits. Parce que s'il faut combattre, on peut pas combattre un être, on peut pas combattre un individu. On doit comprendre tout un système. Donc, moi, j'analyse par rapport au système et non par rapport aux individus. Yango, alors, je dis ça pourquoi. Je veux que vous puissiez comprendre. Ce travail que nous faisons, c'est un travail. Bambo, quand tu as travaillé, mon noble, ça, faut pas respecter. Et que ton point de vue, Isaïe, il faut que les gens aussi souffrent, malgré peut-être que c'est ça que nous souhaitons pas souffrir quand même, que tu donnes ton point de vue et que tu puisses analyser selon ce que toi tu sais, ce que tu vois. Ce qui est normal, c'est aussi ça la démocratie. Mais lorsqu'on est mélancé comme ça, à chaque fois qu'on apparaît, à chaque fois qu'on fait des analyses sur des propos, sur des faits, sur des nénés, et après ça tourne mal contre nous, et là vraiment, Mingi Sengote, Isaïe Sengote, Yamoto Loba, ça peut aussi être ma toute dernière apparition. Tu sais, mais après Dieu est juste. Après ma famille, qu'est-ce que je fais si ce n'est de dire la vérité? Qui ne sait pas que pendant 18 ans, que Kabila est au pouvoir, était au pouvoir. Il n'a rien fait, il n'a rien foutu. Mais nous, vous voyez bien, vous voyez bien, vous voyez bien, vous voyez bien, vous voyez bien. Est-ce que photo Kangaka, est-ce que dans ces pays qui est les Congo, nous autres, nous sommes locataires? Est-ce que nous sommes locataires? Ce n'est pas notre pays à nous aussi. Na Congo, est-ce que nous sommes tous locataires? C'est la question que je vous pose. Parce que ce que vous avez en Ndako, lorsque ça ne marche pas dans votre maison, vous avez le droit de parler. C'est notre maison, si c'est sale. Je dois dire, si nous avons une bonne ou encore un domestique qui s'occupe de ça, je vais lui interpeller. Papa, yom to kombo la rente paye pour ça, pourquoi tu n'as pas balayé? Yom to lambara, pourquoi on n'a pas mangé alors qu'il y a la nourriture? C'est quand même normal. C'est quand même normal. Ce qui se passe chez nous, c'est vraiment décevant. Après, j'ai appelé ma mère ce matin parce que ça s'est passé hier. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, parce que bon, je suis orphelin de père. Mais ma mère est encore en vie. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, maman, regarde, il y a ça. Ma mère qui me dit, non, mon fils, si tu vois la vérité, ne ferme pas ta bouche, tu dois le dire. Ce pays t'appartient.
comme ça appartient à tes frères qui te regardent à la télé. Comme ça m'appartient aussi. Si tu ne dis pas, si tu ne fais pas quelque chose, si tu en as l'occasion, qui pourra le faire à ta place? Tu as intérêt à défendre ce que tu vois où ils ont mal à monter, soutenir les faibles, dire tout haut là où les autres disent bas. Tu dois être la voix des sans-voix, mais tu dois rester dans la logique de ne pas tomber dans de bêtises de gens insultés ou inciter les gens à la haine parce que ça c'est punissable, ou encore établir les responsabilités dès lors que tu n'es pas juge, moins encore magistrat. Ça c'est ce que ma mère m'a dit. Je lui ai dit, mais maman, écoute, là, les gens là qui m'ont appelé, ils ont dit que bah, il y a adresse Nanga et tout. Ma mère m'a dit, ça fait rien, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. N'as-tu pas encore vu un roi ou encore un président à Koufa, alors qu'ils ont la garde? Lorsque la mort arrive, même les gardes ne peuvent rien faire. Ça, c'est ce que ma mère m'a dit, c'est ce que je vous dis là. Même les gardes n'en peuvent rien devant de telles situations. Ce que le roi l'ingé kote et kota. À ta garde, à termina mindou, à termina bachar de combat, le roi il kota kaka. Alors, protecteur Yamakasi et Zanzan, je prie pour toi, prie ton Dieu, fais ton travail. Ceux qui veulent ta mort, si réellement ils veulent ta mort, après la justice divine, ils en apprennent à tout. C'est pourquoi moi je vais dire ici à mes frères congolais, je l'ai dit dans mes interventions que les Congolais, les Africains sont solidaires, sont unis, mais ils ne sont pas solidaires. La plupart des choses qui se passent, la plupart des cas de mort au Bandewa Koufa, vous pensez que ce sont les Européens qui tuent les Africains? Non. Vous pensez que ce sont d'autres Bandewa Congolais? Non. 90% de la mort des Congolais, c'est occasionné par les Congolais eux-mêmes. Ceux qui m'ont menacé, ce sont des Congolais. Ceux qui m'ont menacé, ce sont des Congolais. Au profit de qui? Des Kabila, entre guillemets, parce que bon, ça va à Kabila, bon à Kabila, bon, ça bien pour la Kabila. Mais vous ne regardez que vos ventres. Bon, après, je vais comprendre que chacun cherche midi à sa porte, oui. Mais lorsque tout le monde a intérêt, mon roi, abuse mon roi, liboso, au lieu d'un intérêt général. Intérêt personnel, c'est comme qu'on domine l'intérêt général. C'est que Mbok est bon gâté. Donc, Kabila, même, avec son système qu'il a, tout ça, Abib, ça n'est Mbok, à tout fond d'un total. Ils m'ont même rappelé que pour comment tu peux aller jusqu'à dire que Kabila est à sa commandant, à sa président divin. Mais on le sait, on le voit. On le sait et on le voit. Regarde ce qui se passe. Qui est au pouvoir? C'est Fatih. Mais est-ce que Fatih a vraiment un mot devant Kabila? S'il veut prendre une décision pour nommer ou encore faire ceci, il doit voir Kabila. Pourquoi? Kabila, à son époque, il verrait qui? Pardon, à son époque, il voyait qui? Il voyait qui? Il prenait ses décisions seul. Pourquoi Fatih n'arrive pas à prendre ses décisions seul au lieu que d'aller recourir toujours auprès de Kabila? Lorsqu'on dit que Kabila était un président divin, est-ce qu'on a menti? Il continue à prendre des décisions même en étant hors du pouvoir. Alors qu'il est dans le système, il est toujours président. Je n'ai pas menti lorsque je dis ça. Je n'ai pas menti. J'insiste. Ça arrive souvent les menaces comme ça. Mais en plus, ça y adresse. Il y en a qui n'ont est commis dangereux. Mais après, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Je fais mon travail. Je n'ai jamais insulté personne. Je parle de la République démocratique du Congo, qui est aussi ma patrie. Mon père fut congolais. Il a œuvré pour les Congos. Il est mort pour les Congos. Moi, son fils, je suis venu. Je travaille pour les Congos. Et s'il faut que je meure pour les Congos, ça sera une bonne voie pour moi d'aller en paix. Rossi Mukendi est parti pour ces pays. Et moi, qui suis-je? Soit au Minga pour la Congo, ça fait rien. Mais après, je demande à mes frères, vous devez réfléchir une fois. Après, vous resterez avec qui? Vous allez rester avec qui?
vous le faites au profit d'un ami. Tu veux tuer ton frère pour un ami. Alors qu'on dit, entre un ami et un frère, le choix est clair. On doit choisir son frère. L'argent est ici, là. Nyonso, il est là. Mais si vous avez dit que vous avez tu as occasionné sa mort. Tu ne seras pas tranquille toute ta vie. Ceux qui sont morts, ils étaient peut-être plus forts que moi, plus intelligents que moi. Ils avaient presque tout à leur possession. Moi, je n'ai peut-être rien. Mais je me rappelle toujours de ce que mon père me disait. On est peut-être pauvre. Mais si on travaille dur, on va réussir dans la vie. Ne raconte pas d'histoire. Concentre-toi. Travaille dur pour devenir quelqu'un dans la vie. Et c'est ce que nous on a fait. Mon père me le disait. Faut pas être là pour parler, raconter les histoires. Non, travaille plutôt dur. Avec des valeurs. Et tu deviendras quelqu'un dans la vie. C'est ce qu'on a fait. Nous continuons à garder ces bases. Moi, en mémoire de mon père, je garde base au PCM seul. Et aujourd'hui, on le fait. Tant soit peu, tant bien que mal. On est là en train de motiver, de conscientiser, en train d'informer, en train de divertir nos compatriotes qui sont ici comme à l'extérieur. Ils sont congolais, ils ont droit à l'information. Regarde par exemple aujourd'hui les procès de Kamere, ça sera demain. Mais Kamere est destitué, il est révoqué de ses fonctions de directeur du cabinet du chef de l'État. Qu'est-ce qui se prépare? Procès à lobby, bah, révoqué hier. Caméra est révoquée, alors que procès naïe est à lobby, audience est à lobby. Jusque-là, ça paraît être public, mais bon, on ne sait pas, parce qu'après, bon, on va changer à tout moment. On va voir. On va voir. Est-ce que ce n'est pas le début de beaucoup d'affaires? Est-ce que ce n'est pas le début de beaucoup d'affaires? Parce qu'il n'y a pas une immédiation, on a été, on a été, surtout on a été. Est-ce qu'ils ont bandé les macambouté? Je ne vais pas rentrer à la profondeur de ces sujets des caméras. Voyons voir ce qui va se passer demain. Après, on reviendra ici pour éclaircir. Si et seulement si Dieu me prête vie. Parce que là, moi, je ne vais pas me taire. Je ne saurais pas me taire. C'est mon travail. C'est mon travail. Je ne saurais pas me taire. Congolais. Congolais. Tolingana. Tolingana. C'est important. Il paraît qu'après cette vie, il y a une autre qui nous attend. Et cette vie-là, c'est seulement préparée pour ceux-là qui seront en conformité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de nous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi tu veux faire à ton ami ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse? Pour plaire à quelqu'un? On te demande la tête de Charlie Prince. Ozoani. Pauvre Bolouang, tu vas gagner quoi? Non, le moins peut arrêter. Naza, je ne vais pas non plus fermer ma gueule. Naza, je sais que Dieu existe. Allah existe. La vraie protection, c'est celle de Dieu. Je n'ai pas de garde. Je n'ai pas de garde. Moi, je me promène seul. Je n'ai pas de garde. Les gardiens là, ça vigile. Les là, on a profondé la barrière. Ah là, on a mon côté. Nous t'avons raconté ici qu'il faut gamin, faut gamin là, la salade n'a c'est au coup de cette mambosa n'a pas besoin. Juste mon toi Charlie, quand sur quatre tu es lié aux gens, oui, lié au roi ou à ceux qui montent toi Jean-Baptiste. Si ça sera le cas, Dieu merci. Au moins l'histoire retiendra qu'il y avait un jeune homme, il y avait un monsieur, il y avait un journaliste qui peut-être était sur le chemin de la vérité. Après, j'insiste toujours pour vous dire que on n'est pas parfait. Mais on ne fait pas facilement ce qu'on peut éviter aussi facilement. Topé Sato, prenez ma valeur. Ma valeur, il y a mon débat repère. Je reviendrai peut-être demain si Dieu le veut. Si Dieu me prête vie. Après les procès de Kamere, on sera là pour analyser. Kamere n'est plus directeur du cabinet, comme nous aussi on l'avait souhaité.
Ça c'est vrai. Mais pourquoi ça n'a aucun moment où le procès n'a eu les lobby, bah ça n'a pas destitué, bah révoqué les lots. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pour ma menace au Nazwi. N'a relativement histoire où il un jour, prenez le courage de le dire à ceux-là qui vont venir, aux générations futures, que dans notre, chez nous, lorsqu'on dit la vérité, on te tue. Chez nous, nos mamans sortent à 4 h du matin pour aller marchander. Et jusqu'à 22 h, elles sont encore là en train de marchander. Elles vont rentrer chez eux très tard la nuit et commencent à préparer à 23 h, minuit pour leurs enfants. Chez nous, c'est le seul pays où quelqu'un travaille et on ne paye pas. Chez nous, c'est le seul pays au monde où les valeurs ont reculé et les antivaleurs ont pris de la place. Chez nous, c'est le seul pays au monde où on peut te menacer de mort sans pour autant que tu puisses commettre un délit. Chez nous, messieurs, dames, le respect n'existait plus. Chez nous, le respect de la presse n'existait plus. La liberté d'expression. Chez nous, la démocratie, il n'y en a pas. Chez nous, les gens applaudissent même les voleurs. Chez nous, les gens acclament, c'est là qui nous détruit. Les criminels en costume, on les appelle les grands prêtres. Chez nous, tu commences les études des droits, du coup on t'appelle déjà maître. Chez nous, tu commences les études de médecine, on t'appelle déjà docteur. Chez nous, tu commences les études de journaliste, on t'appelle déjà grand journaliste. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.